Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Shinai. Bonsoir Shinai. Bonsoir. Alors Shinai, t'es sur Twitch? L'anime est bien. Sinan, c'est une merde. Non. Si. Sinon, t'es sur Twitch, t'es sur YouTube, parle à YouTube. YouTube veut savoir. Alors Twitch, voilà. Les mardis soirs, jeudi soir et samedi soir, à 21h jusqu'à minuit en général. Je fais aussi des lives spontanés de LOL. Et sûrement le dimanche soir, je ferai un jeu comme ça, random, type RPG ou les jeux interdits dont on ne prononcera pas le nom. Type. Ville s'accoupant. Voilà. Ce genre de petites choses. Je vais essayer de faire des petits let's play comme ça, de temps en temps. Peut-être des 100% aussi, plus enregistrer directement sur la chaîne Twitch. Sur la chaîne YouTube, pardon. Zéro. Donc la chaîne YouTube, c'est Les Échecs Critiques de Shinai. Voilà. Pour rester dans le thème. Et la chaîne Twitch, c'est Shinai Ryubi, tout attaché. Il y aura un lien dans la description ou en top commentaire. À voir si Knarfang pense à mettre ça en lien dans la description. Je pense à faire quoi, moi? Attends, déjà, il faut que je pense, là, tu viens de dire, et... Voilà, il faut qu'il se souvienne. Et il faut que je fasse quoi d'autre? Non mais vraiment, faut que je me souvienne de quoi? Le mettre dans la description. Ah, tu te démerdes, je mets rien moi dans la description. Tu mets un commentaire et j'épingle ton commentaire tout en haut. Je peux le faire. D'accord. 50 fois que je te le dis. Bah, démerde-toi en fait. Okay. Parce que là, t'es en train de me demander de penser. Oui, et de te souvenir aussi. Tu devrais avoir honte. Par contre, tu m'expliques. Je t'explique quoi? Attends. On peut mettre. Est-ce que tu vois ce que je fais au moins? Non. Je ne vois pas ce que tu fais. On est d'accord que ça c'est toujours 2. Hein. Ah non, c'est 1. Qu'est-ce qui a changé? Mais explique ce que tu fais à YouTube, peut-être. Bon, YouTube, il voit, je suis en train de cliquer sur des machins. T'as compris, YouTube, ce qui se passe? Voilà, merci, YouTube. Ça, y a personne. Et pour une qui fois, regarde. C'est en attente de Knarfang, pas de moi. Ah, ça va, hein. Est-ce que ça veut dire que la position des symboles compte? Genre, attends, si je refais celui-là, mais comme ça, est-ce que j'ai un ou j'ai deux symboles? J'ai deux symboles. Je bite plus rien. Oui, j'ai 10 bits YouTube. C'est incroyable. Donc pour moi, il y a ces deux-là, alors, ça veut dire. Et celui-là? Le jeu me dit, vous êtes idiot. Oui, d'accord, certes, mais développe. Ça reste un. J'ai l'impression que l'ordre n'a pas d'importance. Peut-être. Écoute, déjà, essaie d'avoir les trois bons. Après, on verra s'il y a quelque chose. Ça, de, c'est de deux. Formidable. Ok. Ça, c'est un. Ça, c'est R. Pourquoi ça descend à un? Je comprends pas. Une première piste apparaît. Une rune est à la bonne. On approche, mais une rune manque. Parce que, en fait, ce qui est chelou, si tu veux, c'est que... Ah si, j'ai changé ma compo, je suis un abruti. Ah, c'est un Mastermind. Alors, c'est un vieux jeu, hein, désolé, YouTube. Ouais, tu vous imaginez, c'est plus vieux que moi, YouTube. Oh, dur. Ouais, très dur pour le jeu. Je bite plus R. Donc là, il me dit, hein, on est bon. On approche, mais une rune manque. C'est une rune manque, c'est pas l'ordre qui manque. Ah, ou alors je peux essayer l'ordre. Ouais, vas-y, attends, je vais essayer l'ordre. J'ai même pas essayé. Tac, tac, tac. C'est pas ça. J'ai essayé les trois combos, là. Non, j'ai pas essayé les trois combos. Tac, tac, tac. Il y a plus que trois combos. Ok, donc non, c'est pas... L'ordre des runes ne semble pas compter dans cette histoire. D'accord. Chose qui me pose problème, c'est quand je fais ça, plus ça, plus ça, admettons, je suis plus qu'à une. Alors que si je fais ça, ça et ça... Je suis toujours à une. Donc ça veut dire que c'est bel et bien toutes les... C'est bizarre, c'est-à-dire que... Ah oui, non, attends, c'était celle-là et celle-là alors qui compte. Bon, je comprends plus. Non? Celle-là et celle-là qui compte? Oui, ok, c'est bon, j'en ai deux. Ok, à partir de là, c'est bon, je peux arrêter de péter un plomb. Ce sont ces deux-là. Ce sont bel et bien ces deux-là. Putain, pourquoi je me suis fixé sur le reste? Parce que j'essayais d'écouter en même temps. C'est ça, c'est fou, hein. J'essaie d'écouter ce que tu dis en même temps. Résultat... Bah je fais rien. Voilà, c'est bon. Oh. J'en ai un. Ah, suivant. Alors c'est passionnant ton tube.
Restaurer. Ah bah non, il n'y en a aucun. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Il y a bon. Les chiffrages suivants. Judging the book by its cover. Juger un livre par sa couverture. Succès déverrouillé. 2. Tac, tac, tac. Merci bien. 2 toujours. Ah, donc ce sont bien ces deux-là. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Eh bien, GG. Et il n'y a plus qu'à les déchiffrer, c'est ça. Et c'est ça, c'est pour toi. Je sais pas. Non, elles sont déjà déchiffrées, à part si tu peux me donner des trucs supplémentaires, mais on a récupéré trois points de connaissance. Bah, je sais pas, j'ai tes bouquins, là. Tiens, je te les mets là-haut. Eh ben, je vais les prendre, mais... On a gratté 3 points de co, ça, ça fait très très beaucoup plaisir. Je propose que, vu qu'on va avoir pas mal de hors-piste, ça pourrait commencer à être intéressant de faire l'entraînement d'endu. Hein. Gagner 5% sur nos déplacements, c'est quand même pas dégueu. De vitesse? Ouais, si tu veux. Ouais, ouais, il y a... ce qui serait sympa aussi, c'est un peu plus de points de bravoure, parce qu'on commence à être consommateur, c'est vrai aussi. Ouais. Ou le flow de prime, pas nécessaire, en vrai. Ça, pour le général, je trouve ça cool. Bah il y a le feu de camp plus, l'atelier plus, il y a plus de plus. On a de quoi faire le poteau d'attelage, t'as de la corde sur toi? J'en ai 4. Ah, on peut faire un poteau d'attelage puisque j'en ai 3 sur moi. Pas mal. Si tu veux faire le poteau d'attelage up. Ouais. Je peux faire ça. Hop. Bah je t'achète la recette. Je vois qu'il y a un nouvel acier. Bah. Attends, on me dit que la tente 1 n'est pas faite là. C'est la tente une étoile qui n'est pas faite. Ouais, on l'a pas faite. Non, et on n'a pas fait non plus Ah, parce que les tissus. Voilà. On n'a pas fait l'atelier qui permettrait de récupérer des tissus sur des armures un peu nulles. Bah on peut. Là, j'ai du bois, tiens, tu veux quoi? Tiens, regarde. J'ai un peu de bois, là, vite teuf, là. Tu veux 39 bois, là, vite fait? Tu veux un peu de métal, là? Tiens, prends-en 38 dans ta bouche, là. Tu veux du cuir? Tu veux du cuir? Est-ce que tu veux du cuir? Tiens, prends-en 22, ça me fait plaisir. Moi, à l'heure actuelle, j'aimerais beaucoup... Si tu as de la corde... Ah non, on n'a pas le tissu. Je t'ai donné toute la corde que j'avais. On n'a pas de tissu. Vraiment pas de tissu? On n'a pas de tissu du tout. Zéro. Peanuts. La corde, tu me l'as pas donnée. Hein. Si, je t'ai donné la corde, tu l'as récupéré depuis... c'est le premier truc que tu as récupéré. Donc là, si je comprends bien, t'as de quoi te faire et ton atelier, et ton poteau d'attelage, et ta tente. Let's go. Ouais. Alors, commence par ce que tu veux. Je pense qu'un poteau d'attelage, c'est bien. Alors, c'est dommage qu'on ait pas deux tissus. Attends, j'ai deux tissus. Je te propose un autre truc. Ouais. Je te propose un autre truc. L'érudit, lutrin. Le lutrin niveau 2, une étoile. Vous gagnez 10% de connaissances à chaque repos. Ah, si quelqu'un y est assigné. Oui. Ça veut dire que dans ces cas-là, il n'est pas au feu de camp. Non. Ça peut se faire aussi. Ouais, il y a la table de stratégie. Hein. Il y a la table de stratégie qui est toujours... Non, il manque... Mais ça me paraît bizarre parce que vous gagnez 10% de connaissances. Ok, mais par rapport à quoi? Sur la base 2, quoi? Bah, je pense que c'est la base de... des 380. Donc, on gagnerait 38 par 38 à l'heure actuelle. Ah, ça serait très fort, alors. Mmh. Ouais, si tu veux, hein. Mais de toute façon, après, des points, on en a. Hein. Tu peux... Fais ton atelier, là. Est-ce que t'as de quoi le faire? Ouais. Voilà. Je vais le faire. C'est quoi? C'est... Il te faut du tissu pour ça ou... Ouais, il te faut... T'as pas besoin de cordes. Donc, dans ces cas-là, ça, into poteau d'attelage. Ah oui, il te faut du sel, peut-être, pour into poteau d'attelage. Ouais, il me faut un peu de sel, s'il te plaît. Ouais, ouais, tiens, voici un peu de sel, excuse-moi. Voilà. Voilà, comme ça, t'embrayes. Tu te fais plaisir. Veux-tu déplacer ton poney sur le nouveau poteau d'attelage et regarder ce que fait le poteau d'attelage? Ouh, je vais t'envoyer ça. Et je t'achète le lutrin? Je vérifie que je peux toujours le faire. Mais sinon... Deux fourrures, oui. Deux tissus, 4 de métal, 12 de bois. Je vérifie que j'ai les compos et après je te dis ça. Par contre, le jeu est devenu chaud sur le bois. On sent que le métier bûcheron est apparu, non? Ouais, et on n'a pas de bûcheron. Oui, c'est bon, je peux faire le lutrin. Je peux toujours faire le lutrin, je vais prendre le lutrin.
Get déverrouillé. Remettre les poneys. Petit poney. Et donc, les poneys assignés à ce poteau d'attelage gagnent 10 de ressources. Avec 10 de transport. Attelage gagne 5 de transport supplémentaire. Hein? Ah, tu veux dire que les deux bonus seraient cumulatifs? J'aurais gagné 15 les poneys actuellement? Ouais. Les poneys de combat assignés au poteau d'attelage gagnent 10% d'expérience supplémentaire. Bon, il n'y a aucun poney de combat ici, mais toujours rigolo drôle, quoi. Et donc, toi, t'as gagné, ok, ça. La seule qui a pas de métier actuellement... Tout le monde a un métier ici. C'est je lui ai mis tirailleuse en critique pour avoir en bricoleur pour avoir 2% de critique supplémentaire. Ah oui, ok, mais elle a pas de métier. Et le problème, c'est que tous les autres métiers qui nous restent à déverrouiller, en gros, c'est des métiers de force, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Mais on parlait de recruter un nouveau gadget. Bah, il nous reste plus qu'un bûcheron, ouais, Il nous faut un bûcheron, quoi. Si on veut avoir tous les métiers, il nous faut un bûcheron. C'est ça. Après, je peux mettre tirailleuse, ça lui augmenterait ses dégâts critiques. Mais la force n'est pas sa tasse de thé à elle. Ouais, c'est pas son mine truc, quoi. Non, du tout. Je peux récupérer mon sel, tout le bordel. Ah non, si, sel, tu dois avoir du sel pour moi, enfin... Mon bordel, je vous prie. Je te rends ça. Ouais, ok, 41, ouais, oui, tu m'as même rendu plus de métal que je t'en ai donné. Oui, j'en avais. Et plus de fourrure que je t'en ai donné, hein. Mais merci, hein. c'est gentil. Bois, ouais, du coup, ça a presque pas descendu non plus, parce que tu devais en avoir déjà sur toi. J'ai consommé tout le bois qui a été volé, déjà, ça. Un plus. On a pas mal de ces ressources-là aussi, si jamais t'en as besoin, toi. Ah, pas du tout. Ça, c'est vraiment les trucs d'alchimiste. Et tu regarderas dans le compendium, il y a un nouveau type de métal en alchimie, au passage, qui est sorti. Tout en bas, c'est le dernier. Déjà je vois qu'il y a des bombes qui ont toujours pas été faites à l'occasion, hein. T'as des bombettes à abeilles qui sont parues, des bombettes de recul... Oui, c'est nouveau. Le remède contre la peste qui peut être appris. Je crois qu'on a le plan ou une connerie du genre. Bah oui, parce que là il est gratos, hein, il ne consomme rien, donc je vais t'apprendre le remettre contre la peste. C'est fait. Une saule des montagnes. Ah, tu m'as dit là-dedans, il y a du métal. Attends, ils font un cerveau infecté pour un remède contre la peste. C'est oui. Ultra riche. De l'acier acadien. Ah, ouais. Oh, t'es new ce truc encore. Hein. Ouais. Oui, parce que j'ai une grosse pizza jour hier encore, c'est ça. Les mecs, ils arrêtent pas de rajouter leur contenu petit à petit. Let's go! Oh, ouais. Oui, on attend de Knarfan, on avait compris. Ce sera le titre de la vidéo. Non. Ah, on voulait... J'ai déjà attendu 20 épisodes, toi, pour avoir ton titre dédicacé. Bah, dans 20 épisodes, ce sera en attente de Knarfan. Oui, bien sûr. Ouais. Alors déjà, est-ce qu'il y a des choses à loot chez eux, là? Ils ont rien à voir à loot, les péons. Hein. Crocoport. Il y a un million, un crocoport. Bof. J'aimerais pas me retrouver entre lui et il attaque. Bon, allons parler directement à la grognasse. Vas-y, parlons à la grognasse. Mercenaries, are you trying to avoid the border toll? Are you climbing Mount Altis because you have no border pass? Ouais, l'acting est pas fou, hein. L'acting est mort, hein. Parle trop proprement comme une anglaise beaucoup trop scolaire. Oui, bien sûr. Alors, je joue 200 coups de marteau. S'il vous plaît, 200 coups de marteau. S'il vous plaît. Ils sont évolués. On a croisé des bandits dans la street, ils étaient plus énervés que vous, là. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, ce qu'est-ce que c'est? Par contre, je sais pas si on a des points de bravo, hein. Je crois qu'on est peut-être un petit peu sec. Non, on est à 0 sur 8. Ouais, la bonne base. Ça me va. On a un flanc gauche, on peut tous aller se bourrer visiblement. Ouais. Sauf Edenal qui a décidé de jouer solo. Où est Edenal? Ah, il est en haut. Il est en solo. Stevie, on. Non, bon, on va mettre l'autre gros au milieu là, voilà. Un gros débile. Un malfaiteur et elle. Oh, elle pourrait être capturée la chef. Qui ça? Aitric. Ah oui. Ça c'est capturable. Enfin tu veux me dire qu'on va pouvoir servir nos chaînes? Enfin. Non. Par contre, elle a un couteau de lancer fantomatique empoisonné.
Wow. C'est mignon ça. Pardon. C'est sexy un peu son couteau de jet. Ouais, moi j'aime beaucoup ses stats où elle a 30% de critique supplémentaire en dégâts et en chance de coup critique. Bonjour. Bah ouais, mais ça c'est grâce aux deux autres abrutis, non? Ou c'est elle qui donne toutes ses compétences? Je pense que c'est elle. Mais il n'y a pas de leader en fait. C'est ça le truc. Bah je vais lui lancer un mon mur dans la tronche. Hein. Alors ouais, il faut avoir mon mur, ah, oui. Mais est-ce que mon mur, on peut donner combien de points? Oh, c'est toujours une galère ça. Hein. Vraiment, c'est une tannée. Hein. Le jeu. Je pense que si on arrive à faire la table de stratégie niveau 3, ça pourrait être bien. Ça agrandit pas mon rayon, c'est nul. Je vais mettre un peu sur le. Je vais mettre sur le côté, mais pour verrouiller. Pour empêcher quelqu'un de venir vers vous. Ouais. Voilà. J'ai des arguments. Alors, c'était pas voulu. Alors, ils ont perdu leur 30% de chance de coup critique supplémentaire. Dans un sens. Bah, ils ont tout perdu. Bon, bah, le jeu qui veut plus qu'on fasse de capture. Hein. Non, là, c'est mon mur. Capitaine! Le but c'était de les. Bon. Et il est aggro, il pourra pas venir attaquer. C'est du génie ou pas? Voilà. Alors, c'est du génie ou pas? Parce que mon mur, hein, quand on l'a joué, hein, c'est un monstre. Hein. Ouais, est-ce que tu veux. Ouais, le prochain attaqué il tombe sur mon gros. Ouais, je déplacerai le gros pour aller taper lui et lui au passage. Ça, hein. Ouais, comme ça il se ferait pas prendre par derrière. Il aime pas. Ah, il a pas dû kiffer le petit piège. Il y avait un truc. Oh, c'est dommage, hein. J'aurais presque pu reculer si le pillard était un petit peu plus placé à gauche. J'aurais pu m'en faire 3. Oh. Aïe. Et l'huile de force qui proc sur la fin. Bah nous on va ranger tes voleurs, on va venir là, on va embrouiller ce monsieur, terminé. Alors bon, j'ai pas embrouillé ce voleur, mais On a dit embrouillé, pas... Ah. Oui, bah hé, ça fait un cadavre brouillé, c'est bon, c'est ce que vous m'avez demandé, c'est comme les œufs le matin, non? Oui, mais alors sans la coquille, les œufs le matin, si tu pouvais. et sans nous les balancer dans la gueule, au passage. Le petit talent de groupe ou pas? Taurus, et après, t'es libre de jouer? Vas-y. J'ai pas Edenal. Alors attends, je peux bouger un petit peu pour avoir Edenal, je pense. Tu perdras le lieutenant Will, mais sinon, ouais. Non, 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 j'ai tout le monde sauf sauf Stevie, hein. Mais j'ai tout le monde. Steven, c'est-à-dire que j'ai os de barde, hein. C'est bon pour vous. Il y a rien d'autre à ajouter, je pense. Bon, on va venir, on va avancer tout ce qu'on peut avancer avec mes gros. Bon, on va le gifler, hein. Alors j'ai pas tout vu, moi chez moi ça a frisé. Ça fait 60, j'ai voulu zoom et m'a juste dit t'es mort. Bah 60 et 70, mais on d'accord. T'as 30% de chance de coup critique maintenant, faut pas. Quoi? Faut pas déconner avec lui. Combien? Hein. 30%. Ah ouais? Et 48% de dégâts crit. En sachant que j'ai toujours pas repris une hache, hein, j'ai toujours un bouclier. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a toujours pas allé faire des haches ou des machins? Voilà. Tu es libre de faire tout ce que tu veux, planter un Zinlen, je sais que t'as envie de mettre un Zinlen là sur les mecs en haut là. Ça te démange là. Ouais, un Zinlen totalement useless, ouais. Pourquoi? Ah, j'ai pas de points. Ah merde. Oui, enfin bah joue des gens qui peuvent faire des points. Genre des meurtriers, des assassins. Et des Nals qui peut simplement s'avancer, mettre une flèche dans le cul de quelqu'un et terminer son tour. Par exemple. Ouais. Complètement possible. Ouais, Edenal. Oui, tu bouges juste Edenal, tu l'amènes à côté de Os de Bard. Paf, une flèche dans le huc, on en parle plus. Paf, voilà. Alors, on en parle qu'il a un pavoué que je viens de lui mettre 30. Tu viens de lui mettre 30 et le saignement, ce qui fait beaucoup de plaisir. Et tu termines ton tour et t'as tout gagné. Voilà. Ouais. Stevie, c'est un lieutenant. S'il y a rien, moi je prends Stevie, je le déplace, hein. Ouais. Hop, je te l'amène ici, là. Attends, je peux faire de la brutalité, une toute brutalité? Ça, je veux voir. Hein. Je crois qu'on essaie de tirer sur mon mur. Ça, c'est pas mal. Je peux encore prendre un lieutenant terminé à côté de quelqu'un et t'as 3 points. Voilà, t'as 3 points.
Alors ce sera plus utile. Oh, par contre là j'ai une belle zone. Alors attends. Ouais, t'as une très belle zone. Je peux même te mettre devant. Hein. Devant là? Devant, parce que t'as y a de quoi passer sur les côtés. Ne gêne pas les gens. Là comme ça? Non, alors soit tu te mets sur le teco là et tu. Alors, putain j'arrive pas à clic molette. Enfin tu vois à droite de Sophia. Et dans ces cas tu bloques le passage parce que tu bloques le passage avec le rocher, soit tu te mets complètement devant et au moins elle peut te contourner. Tu vois je veux dire? Ouais. Yes. Donc Zissi. Zissi. Avec un Z. Zissi. Et là normalement. Vas-y, coûte-nous une blinde, va, salaud. En plus t'es à côté de tes deux lieutenants qui vont pouvoir te saucer et doubler le nombre de points de meurtre que tu vas générer. Très belle brûlure. Très très belle brûlure. Hein. Ah, on sent que là, tout de suite, tes performances sont meilleures dès qu'il y a ton lieutenant sur les côtes, hein, pour te surveiller. Bah, ce sera encore plus, parce que si j'avais amélioré la rage niveau 2. Il y a ton lieutenant derrière qui est là en train de dire... Ah, c'est pour lui les chaînes? Non, c'était pas pour lui les chaînes. Mais si, on m'a dit, il y a quelqu'un qu'on peut enchaîner. J'irais bien buter le... Ah, mais fais ce que tu veux, avec qui tu veux, avec pour les raisons que tu veux. Hein. Attends. Je vais peut-être potentiellement... bousiller notre dernier point. Ah ouais, non. Quoi, non? Je pensais avoir tout le monde dans la zone, là. Pour ça. Ah, ouais, c'était pas forcément le plus intéressant, mais... Ah oui, si, quoi que si. Qui est-ce que t'as pas dans ton truc? Mon mur et Edenal. Et j'ai Steven et Os de Barbe. Bah, il vaut mieux que t'aies Edenal que mon mur. Ok, j'en ai 3. Ouais, c'est dommage parce que tu vois, là t'as voulu chipoter, mais tu te serais collé entre Stevian et Os de Bard, t'aurais pu avoir Taurus avec. Mmh. Sûrement. Est-ce que je fais speed. De toute façon, non. Bah, t'as plus de points. Non, j'ai pas de points, je vais pas les dépenser. Bon, on va ramener le groupe, hein, et faire finir à côté des copains. T'aurais même pu avancer plus s'il y avait plus d'archers dans ce coin-là, si par exemple tu voulais commencer à te préparer de glisser derrière les autres. Et tirailleuse. Tirailleuse qui va venir ici. Ne tue personne. Ne tue personne parce que le lieutenant n'a pas encore joué et qu'il ne peut pas donner le point de commandement qui donne les bonus de kill. Ah. Eh oui. Ne te dépasse pas plus à gauche pour pas m'enfermer non plus. Gauche. Ne te déplace gauche, plus, ne bouge plus jamais. Voilà. Tu peux passer là? Ok, d'accord. Je peux tout faire. Parce que j'allais venir me coller complètement au lieutenant en fait. Bah colle-toi au lieutenant, vas-y si tu veux. Mais ne tue personne idéalement. Idéalement, bah je vais juste blesser des gens. Mais hein. Voilà. Parfait. Non mais tu peux rester là si tu veux, hein. Dommage. C'est bizarre, il a pas trop... Ah, la jolie petite zone. La jolie petite zone. Un nouveau round commence. Donc, je vais tout de suite jouer un lieutenant. Sert à quelque chose, esclave. Au prince Ali. Tac, 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 tac. Non, ça sert à rien. Ah si, bah si, parce que lui, il va te tuer. Il peut rester là juste maintenant. Ouais. Il est foutu. Vous êtes des archers, vous n'avez pas besoin de bouger. Je reste ici. Quoique, non, j'étais pas obligé de le tuer. J'étais con. J'étais pas obligé de le tuer. J'étais très bête. Qu'est-ce qu'on a? On a... Bah, on a une ligne de 4, là. As-tu vu, As-tu vu cette ligne de 4? Moi, je vois un os de barde avec une brutalité. As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu Dieu? Regarde la croix. La croix que tu prends dans ta gueule. Ce qui est très dommage, c'est que tu viens de faire autant de dégâts que tout à l'heure en critique. Le problème, c'est que je génère pas de points et qu'on a plus de points. Dommage, sinon j'aurais pu tuer deux gars. Glorieux! T'en as généré deux. Tu viens de t'engager, t'en as généré encore deux. Je suis en cercle par contre. Hein. Va falloir commencer à venir dégraisser un peu vite.
Attends, il y a une Sophia donc, qui arrive. Lui, il est pas engagé, soit je peux te l'engager si tu veux. Oh, tu, si tu peux, vas-y. Je peux t'engager ça. Tac. Ah, j'aurais pas. Ah, je lui fais pas grand chose. On commence à prendre cher, hein. Toi tu bouges, toi tu meurs, merci. 96. Là, par contre, on se prend un déluge de points. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il joue après? C'est un archer. Non, justement, c'est un archer. Est-ce que tu la pousses? Tu pousserais pas cet archer avec tirailleuse? Si. Ouh. Je crois qu'il a visé l'œil. Pas sûr. Mais après, je suis bloqué. C'est pas sûr, on n'a pas retrouvé la tête. Attends, quoi? De quoi? Quoi? Bah, ça a bugué parce que je peux encore utiliser ma habilité, ma visée. Okay. C'est un bug, bah vas-y, hein, tire sur un truc si t'as envie. Hein. Ah bah, d'accord, elle peut pas en fait. Voilà, je me disais. Elle m'affichait que je pouvais, mais. Oui, c'est un... il avait l'action encore engagée, mais pas en fait. Voilà, c'est ça. Le prochain à jouer, c'est un archer de merde. Lui, il faut qu'il crève. J'y vais. Alors, quand c'est comme ça, ce serait bien que tu essayes de faire jouer Mélanine. Parce que c'est elle qui a le plus d'XP en retard. Donc, je sais pas s'il y a une petite différence au kill, au kick-meter, machin. Mais c'est pas mal. Ce serait pas mal de voir si on peut. Est-ce que tu veux que j'en capture un? Ah, on peut! Y a pas de prison là, on va, je crois, hein, par contre. Non. J'ai envie de te dire un peu comme tu le sens, tu. Hein. À combien de pourcents de chance? 56 seulement. Tue-le. Trop peu. Pas d'intérêt. Galvanisé. Tu peux être blessé dans son dos, je crois, et lui faire des choses. Oui, je peux faire un tas de choses, mon gars. Alors. Déluge de coups, je crois, non? Je crois que c'était assez vénère. Il y a un autre archer, là. Il faut encore taper sur des gens. Vas-y, tape, hein. Tape. Hein. Vas-y, suivant. Non, suivant, là. Toi, là-bas, là. Le maraudeur, là. Elle peut plus taper. Comment ça? T'as plus rien? Genre, t'as lancé couteau? Attends. Aïe! Voilà. Et là, j'ai plus de... T'as lancé couteau? Ouais, j'ai lancé couteau. T'as fait courou? Oui, j'ai fait courou. T'as fait viser, lancer couteau? Je déconne. T'as fait course, t'as fait abus. Est-ce que t'as essayé d'abuser des choses? Non, j'ai. Allez, c'est bon. On s'en va. Ok. Mon mur, faut aller le tabasser, hein. Oui. Mon mur, il a un peu peur du feu quand même. Ah non, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. S'en fout. Un petit 68. Parfait. C'est plutôt terminé. Bien passé, je trouve. Hein. Putain, le mon mur, tu sais, quand t'as ton capitaine qui sort des flammes impeccables, tu fais ah oui, quand même. Quand même. Tiens, t'as ton tissu qui te manquait, tes couscous aussi. Yeah. Et il y a un arc à plus 20 quand même. Hein. Ouais, j'ai vu. Non, c'est pas mal. Hein. T'as encore des. Ouais. Oui, j'en ai. Inspecter son cadavre. Donne la clé, salope. C'est bon, maintenant, il y a des choses qu'on peut piller chez vous là. Il y a des chambres. J'ai récupéré du chanvre, ça fait une corde. Ah, tu peux craft des cordes? Bah oui. Ouh. C'est bien ça. Le chanvre, ça ressemble à quoi? Je peux me le mettre dans le coffre de camp. Je te le mets dans le coffre. Juste pour voir une chose. Ah, j'en étais sûr. Mm-hmm. Je crois que, tu sais, le truc qui dépeinte la gueule des gens, je crois que c'est du chanvre. La recette. Ok. Nous sommes célèbres, au fait. Nous avons déverrouillé du célèbre. Nous avons déverrouillé encore un ramasseur de niveau 2. On peut aller chercher un point en puissance et gloire. Un point en puissance et gloire? Oui. Puissance et gloire, c'est le premier. T'as un point, toi? Ouais, ah oui, c'est toi qui as les points. C'est toujours une petite bizarrerie du jeu. Ouais.
Le rachetement strict, c'est pas nécessaire. Parce qu'en vrai, on a un chef cuisseau qui régale quand même plutôt bien. Oui. Si l'on possède des mains, on peut utiliser. Ouais, c'est pas très utile. Et vos compagnons apprennent plusieurs points de leur équipement. Les renforts d'armure retirés, l'emplacement ne sont pas détruits. Ça, c'est pas mal, surtout que les armures vont pas tarder à changer. Ouais. Si l'on possède deux mains, c'est pour les utiliser. Toutes les deux correspondent. Bonus, forger des armes. Main gauche demande moins un composant de chaque type. Alors, ça aussi, je vais aller en forger. J'aurais pris moi un petit spécialiste main gauche, mais récupérateur soigneux c'est bien aussi, donc je te laisse choisir. En fait les deux sont bien, voilà. Je vais prendre récupérateur soigneux. D'accord. Excellent. Mmh. Et ben on est bien. On est bien, on peut rouler. Hein. Alors attends, on peut rouler mais... Attends, je vais juste la petite pause syndicale. Tu m'avais dit qu'il y avait une nouvelle recette là, anti-cuite là. Anti-cuite ? Non, ouais. Je t'avais dit ça. Si, tu m'as dit à un moment donné, on avait une recette. L'infusion de chanvre. Oui. Remède contre la gueule de bois. Idéalement, faudrait que tu m'en gardes au moins une, qu'on fasse un essai. À l'occasion. Il en faut qu'un ? Ah, j'ai pas regardé. Mais oui, normalement, ça n'en demande qu'un, je suppose. C'est pas ici. Tac. Tac. Je sais même pas combien ça... Je sais même pas ce que ça demande. Triste. Je sais même pas. Pourquoi il me dit pas ce que ça demande? Quoi, c'est trop chiant. Tu peux tout savoir chez les forgerons, etc. Mais là, lui, je peux pas savoir ce que ça demande. Bon, après, ça s'appelle infusion de chanvre, hein, donc... Attends. Peut-être qu'il y a moyen de moyenner... Non, chiant. Mais faudra la prendre à l'occasion, parce que si ça permet de retirer les traits alcooliques... Bon, on a de quoi mais les ouais. Gérer, les alcoolos, mais... Mais c'est... Ouais, c'est oui. Bon à savoir. On a de quoi les gérer. Bon, on a déjà vu par ici, hein. Bon monsieur. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, bon monsieur. Maintenant, on va dans la forêt, on va taper des ours, là. Hein. Allez, let's go. Oh, il y a du bois. Oh, attends, j'ai oublié de faire un truc. Ouais, je t'en prie. De changer l'arc de tirailleuse. Ou des dédénales. Ah, dédénales, l'arc 18. Est bien. On a gagné explorateur aussi, au passage. Débloqué le niveau 5. Niveau 5 supérieur, mystère et connaissance, monsieur. Oui, allez cool. Attends, je peux démanteler un... Instinct animal. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite les poursuivants. Ouais, juste une égratignure. Les compagnons sont moins enclins à subir des blessures au combat. Durée de la course augmentée de 20%. Est-ce que je peux choisir? Ah, tu peux... Bah vas-y. Course d'endurance, hein, je pense. Je sais pas si je peux choisir. Vas-y, safe. Si, je vois juste pas où sont stockés les points qu'on a, en fait. C'est à côté de connaissance. À gauche, t'as des petites pastilles. Ah ok, bah j'ai pas vu. Ou je les vois pas, mais voilà. Je nous ai pris course d'endurance, qu'on voit, c'est clairement le plus utile sur les trois. Hein. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ce qui est dommage, c'est qu'il y en ait pas plus. Mais peut-être que ça va arriver plus tard. Oui, ça va. Déjà, t'as vu qu'ils ont rajouté un métal entre deux en scred, en loose, entre la sortie officielle et là. Ouais. C'est bon pour moi. J'ai même désossé l'arc que... Okay. Ah, si tu veux désosser des trucs, attends, j'ai peut-être des machins. Attends, j'ai des merdes à désosser, hein, si tu veux. Hein. Et bah, je t'invite à faire un clic droit. Ah bah non, tu pourras pas le sélectionner. Je peux pas, c'est pas moi qui est l'artisan. J'ai un arc fantôme, j'ai des trucs et des machins... Vas-y, balance. Non, les lances, c'est bon, je vais les garder. Alors, je sais pas si tu peux démonter ça. Par exemple, une non, c'est que les armes et les armures. Ah, c'est dommage, hein, parce que ça sentait bon le tissu à des kilomètres, ça. Ah, et je peux désosser les accessoires aussi, mais c'est les accessoires de ceinture et de... Bref, t'as compris. Oui, les accessoires fabriqués, enfin, les items, quoi. Voilà. Ça. Attends, j'ai et une autre viens... armure, j'ai... Amata du commandant. Ah oui, c'était intéressant, mais il fallait des prises de niveau. Je viens de récupérer 3 matériaux bruts, 2 de bois, 3 de fer. Voilà. Il est où le lieutenant, mon lieutenant? Il est là. Pourquoi ça compare plus les armures? Ça, je vais péter un plomb. Parce qu'il est... Non, parce qu'en fait, il est toujours niveau 7 et qu'il est à chier. C'est un scandale. On a des gars qui sont nuls. Hein. Donc, faut se faire rembourser nos gars, ils sont pourris. Hein. On fait le tour de cette maison, on est d'accord? On les ignore. Ours, oh, nanache sur moi. Youpi.
On va se friter des ours. On fait 3. Bon, est-ce qu'on les capture? On a de la corde. Ah non, on n'a pas de corde, dommage. Tu veux qu'on fasse d'ours? Ah si, pour voir si leurs stats ont changé, ouais, ça peut être pas mal. Mais on n'a pas de corde. On n'a pas de corde. Ah ouais, c'est toi qui as toutes les cordes, hein, donc... Je crois qu'on n'a pas assez de corde. Je crois qu'on a zéro corde. Il y a genre 3 pauvres nonoches. Attends. Ah non, c'est terrible. Non, c'est terrible ce qui va leur arriver. T'as vu leur PV? Bah, c'est un ours. 872. Ah oui, quand même. Quand même. Non, mais pas mal, pas mal. Ils ont un argument. Et, ah oui, nous, on n'a pas de points. Alors, ça va être un problème. On n'a pas de points. Mon mur, il est où mon mur? Mon mur par là. Mon mur ici, il faut encadrer mon mur. Hein. Let's go, faut encadrer mon mur, je vais même pas en entendre parler. Il reste une place à côté de mon mur. Derrière mon mur. Voilà. Hop là, excellent. À mon beau mur. À mon beau mur, tu peux aller jusqu'où? Ah, il faudrait que tu recules un poilou comme ça. Ah mais... Ok, tu peux atteindre cet ours là. Ok. Ok. Je vais quand même éviter de me mettre dans la zone. J'espère que cet ours compte comme étant dans la zone. Hein. Voilà. Il en a rien à foutre lorsque je lui tape dessus, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Voilà. Wow. Je savais pas qu'on affrontait des boss. Est-ce que tu veux le bonus de Taurus? Et j'envoie un Taurus à l'assaut. Ah vas-y carrément. Là, il peut quand même prendre bien tout le groupe. Bah oui, 3 ours là, sont, 3 ours on affronte des boss. Hein. Des sous-boss. Vas-y, t'as 20% de chance de coup supplémentaire. Ah putain, dommage. Vas-y. Un petit saignement en plus. Il va perdre quoi, 20% de ses PV? 174 d'un coup. Ah ouais. J'étais en train de penser, est-ce que t'as quelqu'un qui peut repousser les ours? Oui, j'en ai deux. Parce que là, idéalement, faudrait s'assurer que, genre, au moins, par exemple, là, le gros qui est en face de du lieutenant Will se retrouve sous le... Alors, soit ça, soit on est sûr de pouvoir pousser l'ours contre qui est au contact mon mur. Alors, pour le mettre dans la zone où ça va tomber. Ouais. Et on leur cale un lieutenant pour les empêcher de bouger. Alors, je suis sûr de pouvoir le repousser, lui. Ok. Celui qu'on n'a pas touché. Eh ben, je t'invite à... Let's go. Avec un Edenal. Et là, faut pas me dire qu'il est pas dedans, hein. Là, il est bien dedans, même. Je peux même en caler une petite deuxième. Histoire de... Ouais. Parfait. Moi, je vais lui coller un lieutenant dans la face. Comme ça, il ne pourra pas bouger. On va venir mettre un lieutenant... je prends des risques avec un lieutenant. Non, c'est trop de risques, là. Bah déjà, en vrai, je vais le tabasser. En vrai. Déjà. On va le malaxer déjà. Un peu. Et tac, tu bouges pas. On va essayer de tuer des boss avec de la foudre. Ça tape à combien, l'ours? 44. C'est tout? T'es une merde, Harry. Acharnement? Il va me la remettre, là? Putain, moins 160. Oh, il a perdu 174 PV. Hein. Ouais, beaucoup de points de vie, mais ça souffre. Hein. Qu'est-ce... Pourquoi Thierry, vous êtes toute seule là-bas? Parce que tu m'as pas laissé le temps de le bouger. Quoi? Attends, et bah. Tu mens. Voilà. Non, je te jure. Est-ce qu'on irait pas envoyer une. Attends, tirailleuse, elle peut. Elle ne peut pas courir. Il faut vraiment qu'on mette la course sur tout le monde. Hein. Ça est urgent. Ouais. Est-ce que tu veux envoyer un. Un quoi? Un gars engager l'ours. Comme ça, je peux aller mettre un masse de poison sur le. Ah, sur le gros là ouais. Une bonne petite masse de poison. Ouais. J'arrive. Ça arrive. Ça passe pas très loin, Taurus. Hein. Ça souffle un peu fort dans ses oreilles. Wow, Taurus se pose des questions. Dieu, c'est toi qui me parles? Tu souffles très fort, Dieu. Tu fais des bruits de marteau aussi. Aurais-tu un arcilien? Alors, si t'as besoin de points... Ouais, je vais avoir besoin de points. Je peux jouer Stevie en pour aller se coller par là. Il me faut un point.
coup, je me collais là, je m'en fous, peu importe où que j'aille, hein, ça changera rien. Si je peux emmerder celui-là, mais... j'emmerde, ça me fait plaisir. Et t'as ralenti encore. Voilà, t'as un point. Alors, on va la jouer comme ça. Tac. Le but c'est de lui mettre un maximum de poison, hein. Il a joué ou pas? Ah, si je lui mets le feu, ça va faire chier le monde. Il est pas encerclé. Ah non, parce que. Non, parce qu'il est. Mon mur est en contact. Ah, il est. Il est dans un fight. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est voilà. Pas mal. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Et il prendra 349 points de dégâts à la fin de son tour. Excellent, hein. Et bah, tu sais quoi? Je vais même lui mettre un petit coup de torche pour le plaisir. Voilà. Parce que ça aussi, ça va lui enlever du pourcentage de PV, hein. 15% de ses PV. Il prend 8 x 5%, ouais 40% actuellement. Il perd 45% de CPV. Ça va piquer. Il part 55% de CPV en truc pour tout. Tu bouges pas, ouais. Winnie l'ourson. Oh. Et il le vit mal, Winnie l'ourson, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Bah écoute. Ouais, tu peux venir taper un ours. Tape un ours qui est déjà engagé, comme ça tu seras pas emmerdé. Hein. Ouais, voilà. Parce que là, si t'as été embrouillé. Ouais, tu t'es dit t'allais embrouiller un ours qui allait crever, donc bon. Quoique, je crois que les. En gros, les ils ont l'équivalent de même mort frappe encore, les oursins. Hein. Je crois que quand ils sont à zéro, il leur reste. Tant qu'ils ont pas tapé, ils peuvent. Ils restent debout. Bah, tu peux te placer derrière l'autre Winnie l'ourson là. Non, ouais. Si, je sais pas, c'est toi qui vois. Tu veux profiter d'un bac ou de choses comme ça. Ou de l'encercler. Un petit 54, un petit 15. Oh, ça sert à rien de t'acharner plus, hein. Pour rien faire de plus. Oui, oui, ça sert à rien de gaspiller tout ça. Ouais, ouais, avance tranquillement, viens lui mettre une flèche dans les côtes et ça se passera très bien. Ah oui, ça reste, il n'y a pas de flèche dans les côtes, c'est incendie. Oh là là, mais le nombre de points de vie qu'ils vont perdre. Et le pire, c'est qu'ils s'en foutent. Hein. C'est ça le plus drôle. Ouais, juste avance, quoi. Berserker, j'aime pas beaucoup ça. Tu peux. J'aime pas beaucoup ça. Tu peux. Alors Berserk, dégâts et dégâts subis augmentés de 100%. Mais ils s'en foutent, ils sont à 0 PV. Voilà. Très drôle. Est-ce que je peux quand même le tuer genre avec un capitaine? Vas-y. Oui, c'est bon, ça passe. Donc ça veut dire que tu peux tous les tuer. Je vais laisser des meurtriers faire leur œuvre satanique. Pourquoi? Bah parce que vous générez des points. Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'on peut s'en foutre aussi. Alors, regarde. Voilà. Dieu, c'est toi qui... Dieu, c'est toi qui siffle dans mes oreilles. Dans les flammes d'Odoun. Non mais à mes yeux, un arc. Voilà, tranquille. Elle a pas pu jouer la pauvre petite. Peut-être un peu frustré. Sinon, passez tous nos tours à nous soigner comme ça gentiment. Ah, bobo au doigt. En vrai, on aurait pu le faire. Des carcasses. Ah, on va manger de l'ours, ça, ça fait plaisir. Je te laisse le gras. Merci. Hop, hop. Ah, il faut un campement. Yep. Parfait. Ouais, bon. Ah, c'est intense, hein. C'est intense ce qui se passe. J'ai rien débloqué, moi, à base d'ours. Hein. On peut faire de la saucisse de loup. Allez, let's go. Saucisse de... Ouais, mais attends, je vais défoncer mon sel pour ça. Bah ouais, et à première vue qu'on peut pas faire des super plats avec. De la saucisse de base. Faut payer la troupe. Ouais, mais j'ai déjà mis... Ok. Ah oui, excuse-moi. On va être pauvre après ça, j'ai une vague impression de pauvreté. Et vous? C'est pas grave, on va bientôt aller revendre nos trucs, donc c'est pas bien grave. Réduit de 30% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. On va se mettre des petites galettes aux pommes, hein, une petite tarte aux pommes là. Ouais. Ça va éloigner le prochain repos. De ouf.
Des pignons. Un truc, ouais, une autre picole. Allez, un petit vas-y. Cidre, les copains. Une attaque, une attaque, une attaque. Dommage. Wow. Et on gagne un point de connaissance. Ah ouais? Comme ça? Bah oui, je génère 10% par truc maintenant. Ah tiens, en fait, je peux te remettre des tac, 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 tac. Voilà. De quoi refaire des fourrures. Je t'ai mis les 3 carcasses supplémentaires qu'on a. Ouais, attends, bouge pas, hop. Bouge pas, bouge pas. Est-ce qu'on prendrait pas le remède au chanvre pour test? Vas-y. En vrai. Prends. Et tiens, il est là. Je crois qu'il faut du lait, si je dis pas de bêtises. Bah ça a l'air d'être juste infusion de chanvre, le nom. Ah oui, il faut du lait. Ouais, bah laisse tomber, on a pas de lait pour l'instant, je vais pas le prendre. C'est, dans ces cas-là, c'est pas intéressant, c'est pas rentable. Dans ton bricolage, il y a des choses intéressantes ou pas là? Feu de camp, on n'a pas de grès. Atelier, on a de quoi le sortir, ton atelier. J'en ai 5 de grès. Hein. T'as 5 de grès? Bah, on peut se faire un feu de camp, une étoile, puisqu'à première vue, on l'a pas. Et ça générerait. Ah oui, on va faire soit le. Soit ça, alors soit l'atelier 2 étoiles, parce qu'on a de quoi le sortir, je crois. Hein. Oui, mais l'atelier 2 étoiles n'est pas. Je sais pas, c'est toi qui connais. C'est toi qui connais, moi je sais pas. Moi je sais pas. Sinon, on peut sortir une marmite 2 étoiles. Si tu me dis que t'as 5 degrés. Moi je te proposerais carrément autre chose. Carrément autre chose, vas-y. Attends, on a. Non, on a pas de cordes. T'as des cordes sur toi ou mais pas? Mais non, on a pas de cordes. C'est toi qui as mangé toutes les cordes. Par contre, si t'as deux tissus, on peut faire le lutrin 2 étoiles. Hein. Est-ce que j'allais te proposer? Bah. Oui. Si tu veux, hein. Let's go. Hein. Ou alors la table de. Mais non, lutrin, elle est en train de 2 étoiles, frère, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'elle va nous rembourser dans 5 repos, on est remboursé. Est-ce qu'il te faut des choses? Il va me falloir 6 de métal. 6 de métal, hein, j'ai pas 6 de métal, c'est dommage. Hein. Ah et bon, 15 de bois. Et 15 de bois, voilà. Et je récupère le chanvre pour faire une corde. Ah, je peux pas, il nous manque 200 crocs pour le moment. 200 crocs? Ouais. Tiens. Non, crocs. Kranz, couronne. Couronne. Argent, pognon. Il demande du pognon pour quoi faire? Pour améliorer. Pour améliorer quoi? Bah, pour améliorer les. Attends, il reste des ressources derrière nous dans le bac là. Tu pars un peu loin. Ouais. Une forêt nord là. Pour améliorer chacun des trucs, ça me coûte une étoile 100 pièces et 2 étoiles 200. Ah, ça te coûte du pognon, je savais même pas. Mais lightbox du jeu. Lightbox du jeu, c'est de la merde. Je croyais qu'on les ignorait. De quoi? Oh, si, oh, bah c'est bon, on les a ignorés là quand même. Ah, ils ont un bio. Je peux pas y aller? Vas-y. On peut pas couper de bois. Non, parce qu'on a pas de bûcheron. Il va falloir choisir un bûcheron. Bah, je vais nommer Stevie. Bah, au pire. Ouais, vas-y. Parce que actuellement, on n'a pas de quoi faire du bardistan. Alors certes, il est à 11 sur 20, il a la moitié de passer son niveau. Mais ça donne quoi? Ça donne de la force Ouais, c'est très bien, force ou constit. C'est plutôt en force, les lanciers. Donc très bien. Force, ouais. Et après, j'aurai un petit coffre à piller. J'ai une clé dorée, au fait, hein. Je rappelle. Hein, ouais, si ok. Ma souris, hein, terrible. Quand je serai riche en YouTube, j'aurai une vraie souris. D'ailleurs, j'y pensais, t'es niveau max ou pas avec elle? En quoi? En crochetage. Pas encore. Il y a le niveau maître. Ouais, parce que t'as mis l'autre fifi en mode. En gros, t'en as deux qui sont spécialistes de fabrication en atelier là. Ouais. Mais j'étais en train d'y penser, dès que t'en as un des deux là, soit métier, soit crochetage qui est à fond, tu lui mets le métier et on a deux crocheteurs. Deux crocheteurs ou deux personnes en atelier, mais au moins une fois que t'as le métier à fond, tu pourras l'évoluer aussi à son tour. Ouais. La vache, c'est compliqué la serrure là. Elle veut pas se laisser faire. Non. Non, elle a pas l'air hein. C'est bon. 15. Oh. Oh, du tissu, eh. Le jeu t'a régalé. Hein. Je te laisse prendre le tissu, je prends la poupée. Y'a autre chose, des tonneaux. On peut parler à des. Ah, y'a du bois aussi. Bon, on n'a pas besoin de leur voler de bouts de bois non plus. Non.
Tu veux parler à des gens particuliers? Non, ils ont l'air somme toute d'être ennuyeux. Bon, allez, on va leur parler. T'as peut-être une quête. Bah, ton coffre. C'est déjà fait, on a pris tout ce qu'on voulait. Ouais. Ah! Mais vous pourriez donner des quêtes? Non, je vous coupe, madame, parce que nous, on est des héros de MMORPG. C'est une région lointaine. Les quêtes, on les lit pas. Très bien. Ils ont été exclus parce que... Ouais, bon, vous avez pas la bonne religion, la bonne couleur. Comme s'il y avait besoin d'un motif pour discriminer les autres. C'est bien le principe de la discrimination, c'est que t'as pas besoin de motif. Ah oui, ça s'est agrandi par ici. Vous pouvez pas aller aussi loin. Hein. Petit jurassien là, vite fait, là. Oh oui, ça s'est agrandi. Oh, des rats. Oui, mais des panzanis. Ouais, je te suis. Bougez pas, monsieur, j'arrive. Une escroquerie. Est-ce que vous voulez une escroquerie? Il y a tout. Regarde. Mais t'as pas la passion de l'escroquerie, toi, hein, vraiment. Voilà. Escroquer tout le temps pour n'importe quelle raison. Y'a pas besoin de raison pour être un escroc. Aujourd'hui, tu penses qu'on en a pas besoin? Peut-être, regarde, maintenant qu'on est là. Escroquerie, une tout escroquerie! Voilà, pour le plaisir de placer des escroqueries. Oh là là, t'as vraiment... Tu manques de passion un peu, quand même. Manque de passion. On va appeler les villes Montépiton, après. Ah oui, j'adore. YouTube aussi, à pouce bleu, hein. Ton tube, hein. Et tu dis que tu réclames pas les pouces bleus? Ouais, là, je les réclame un peu en ce moment. En fait, je les réclame pour... même pas, en fait, c'est pas tellement pour ce let's play-là que j'ai conscience et qu'il est un peu brouillon, bordélique, enfin, comme d'habitude, quoi. Te dirais-je bien gaming, mais... Attends, je peux faire une escroquerie, ici? Non, on peut pas. Attends, si, c'est peut-être possible. Attends. Bouge plus. Est-ce qu'on peut s'escroquer? Le terrain est trop... hein? Oh, attends, vas-y, hein. L'excuse, c'est que le terrain, il sera jamais nickel, c'est ça? Oh là là. Le jeu, il a prévu l'escroquerie, il a dit non, pas ici, là. Calmez-vous. Faites le tour. Il y a des cochons à droite. Ouais, bon, on va y aller, de toute façon, il y a des choses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé du cochon. Du cochon! Mais, putain, la hitbox du jeu, quoi. Oh, le passe-fin d'herche! Oh, secours! Je suis resté bloqué contre je sais pas quoi. Non mais en vrai, c'est vrai que quand je vois que Terranil, bon, commence à avoir des pouces bleus, mais si vous avez regardé du Terranil et que vous avez aimé, vraiment poussez du bleu, parce qu'on n'a pas beaucoup de let's play entiers sur Terranil. Pareil pour Donjon de Nullbuck, parce que Donjon de Nullbuck, le jeu est quand même cool. Faut dire ce qui est, faut dire les termes, hein, le jeu est cool. Vu comment le streamage français l'a abandonné... Parce que bon, que le YouTube Game, il abandonne tout le monde, ça n'étonne personne, mais le streamage français, je pense qu'ils étaient trop occupés à s'en censer de pognon. Le pognon, non, c'est pas l'argent. Non, pas du tout, pas le streaming français. Hein. Ils aiment pas l'argent. Voilà. Il y a un Of The Bard qui a une jolie petite place, là, si jamais tu veux, à la place des Dénales ou de... Place des Dénales, de qui, de quoi? Ah, moi, je l'ai mis solo cul là-bas, là. Solo cul, là, il y a 5 ports, je me dis 1v5, il gagne à tous les coups, quoi. Ok, vas-y. Par contre, à mon beau mur, il n'y a rien qui va pouvoir faire... Ah, si je le place là. Ouais, non, même pas, j'aurais rien. J'aurais forcément qu'un seul gars. C'est dégueulasse. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Calmez-vous, je disais, un coup de latte dans la gueule. Sanglier, chaque fois que je le tue pas. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Ah, il va falloir changer d'arme. Ouais, bah, moi le matos il commence à être bien périmé hein, chez Mega. Hein. Alors, chez Os de Bard, c'était rigodrôle. Ah, bah d'ailleurs, tiens, tant qu'on parle du boss, c'est au boss de jouer, je crois. Ouais, c'est au boss de jouer.
Le patron de comptoir. T'as les trois là? Ouais, non, il faut que je me décale encore. Alors, je vais peut-être me décaler comme ça pour plutôt essayer d'avoir ces trois là. Ah oh, oui, je l'ai bien. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même du gros socle, hein, le cochon. Oui, voilà. Comme ça. Voilà, c'est pas mal. De force. On est bien. 24, c'est peu quand même, hein. Et on va se caler par là, comme ça, on pourra pas être encerclé par les ports. C'est du génie. 24, c'est tout de même peu. Oui, c'est peu, alors qu'il a une force. Il a une force de dingue, quoi. Il gagne à rien, alors qu'il a une force de sourd, quoi. Est-ce que tu jouerais pas un... Ouais, Taurus, c'est loin. Taurus. Ouais, ouais, je peux toucher le cochon, hein. Vas-y, va toucher le cochon. 202, allez, vas-y, montre-nous du rêve. Allez, tu fais au moins un critique. Bon, je n'ai boosté que deux personnes en brut. Pas mal. Ça avait un esthétisme. Bah, ça fait un petit 134, 140. Allez, un petit 160, là. Je tue pas non plus un PV. C'est horrible. Mes gars n'ont vrai plus du tout de DPS et c'est horrible. Tire du coup. T'as besoin de points pour faire des choses? Non, non, j'ai pas besoin de points proprement parler. La map étant mal foutue ici, tu peux pas y accéder, donc t'es obligé de faire tout le tour. Si je veux un point, je vais... Ah, trop tard, t'as joué Zinlane. Ce que j'allais dire, idéalement, joue peut-être un archer qui peut se coller à quelqu'un, ou genre un Edenal, par exemple, qui aurait pu te générer un point. Poser une zone, mais après, ouais, la zone, t'aurais pas pu l'exploiter, t'es trop loin. Ouais, j'ai une course au pire, dans le pire non, des cas. Non, t'es trop mais loin, peux... ça sert à rien, crains pas. Parce même que sur les 3 points qu'on a, on en a 2 qui partent pas, donc si on peut éviter de les cramer pour de simples cochons, c'est quand même pas mal. Bon bah au moins je mettrai pas le feu sur sur Taurus. Ah les cochons ils gagnent la riposte comme ça, c'est rigolo drôle. Ouais c'est leur effet en haut défiance. Mm-hmm. Ah c'est le déchaînement, ok ouais. Alors. Est-ce que tu veux jouer un truc en particulier? Non je sais pas ou... qu'est-ce qu'il joue là, c'est un cochon loin. Ouais qu'est-ce ouais, que ça joue ça? Ça m'atteint pas. Moi ouais, y a qu'un seul cochon qui atteint mon lieutenant donc y a pas d'urgence. Ils ont la charge hein, maintenant, alors attention, hein, il peut peut-être te toucher. Into charge? Ouais, 6 mètres, hein. il touche ton lieutenant Will. 6 mètres de feu, ouais, il touche mon lieutenant. Je suis même pas sûr, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il le traverse. Pour le charger. Je sais pas. Oui, bon écoute, c'est quoi, je vais te filer du point. Hop, regarde. Quoique. Brutalité. Attends. Je peux aller jusque là, moi. Excusez-moi. Voilà. Je peux revenir ici. Putain, mes gars qui one-shotaient tout, ils touchent plus rien, ils font plus rien, ils sont devenus nuls à chier, c'est un scandale. Enfin, nul à chier, non. C'est pas encore mauvais, mais... je peux aller taper le cochon qui est dans le dos de mon mur. Je peux aller tuer des porcs avec Stevie en. Après, sinon, toi, si t'as des choses à jouer, à faire. Je peux en tuer 2 avec Sophia. Celui-là et celui-là. Normalement. Ouais, si tu veux. Vas-y, vas-y. Ça va permettre au capitaine de se rengager et de régénérer un point. Ça. Puis si tu le tues pas, hein. N'oublie pas qu'il prend le feu et qu'il va prendre 15% de PV. Hein. Oh bah je le tue avec quelqu'un d'autre. Hein. Le petit coup dans les côtes, histoire de... Qu'est-ce qu'on a d'autre qui joue là? Le gros porte là. Ouais. Je vais le ralentir avec Elena.
il va quand même les toucher. Il va on toucher a deux points, tu peux lui remettre une flèche si tu veux. Oui, non, je vais affaiblir le port qu'il y a sur... J'ai aucune chance de le tuer, je pense pas. Ah oui, le sanglier sur mon mur. Donc, ouais. Oui, pour enchaîner les kills ensuite avec Mélanine. Tac, 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 tac. Ça. C'est pour ça que je pense que t'aurais dû jouer Mélanine plutôt que jouer Sophia. Parce que là, tu vois, si t'avais joué Mélanine, là, Sophia, elle aurait pu faire 1, 2, 3, 4 kills. Pas faux. Parce qu'elle court partout. Ah, ça y est, ça prend tarif. Il est en souffrance et tout. La vraie. Je vais pas taper. Avec, avec elle. Avec qui? Avec Tyrius. D'accord. Bah, ah bah si oui, mais t'as Mélanine si tu veux jouer Mélanine par exemple, pour tuer le prochain porc qui joue par exemple. Oui, oui, je vais faire ça. Hein. Ah, attends, il prend le feu avant de jouer. Après. Après le feu. Ah oui, c'est le poison que tu prends en début, c'est ça, et le feu non, après. Non, il y a aucun dot de base qui ne se prend avant. Ah ouais? C'est pas tout sans fin de tour, ok. Sans fin de tour. C'est ça qui est dommage, et à la fin de son tour, et c'est à la fin de son tour. Il n'y en a qu'un seul, c'est un saignement de par la hache à deux mains. Ok. Ah, faute professionnelle grave. Pourquoi? Il fallait te glisser entre mon mur et Sophie, hein, si tu pouvais. Ah non, tu pouvais pas, d'accord, on était mal placé. Ok. Non. J'ai rien dit, non, mais il faut que tu traces, faut que tu passes là. Faut que t'ailles tuer les deux autres porcs. C'était l'objectif de base. J'ai pas assez de... Pas assez de move tout court? Non, ah, non. Oui. Bah, pas assez de move. J'ai rien dit. Je vais bouger Steve. Elle va passer. Attends, je passe... Qui joue? Ah, c'est un porc là-bas. Vas-y. Oui, tout est là-bas après, hein. Stevie en... Mais en te rapprochant, tu peux peut-être faire un courroux, si tu veux, sur lui. Mais c'est vrai que... Ah oui, c'est pas déconnant, c'est ce qu'il faut. Putain, j'oublie qu'ils ont le courroux, en plus, c'est terrible. Force de tout le temps les jouer en distance, et donc de jamais avoir l'option de faire des courroux. Ouais, je comprends. Alors, il y a deux cochons qui jouent, dont un sur Os de Bard. Oh, Os de Bard, il peut pas se dé... je peux jouer Os de Bard ou pas? Vas-y. J'ai envie de me désengager, mais je sais pas si j'aurai la riposte. Je l'ai pas. Parfait, c'est du génie. Du coup, je peux taper les deux. Oh, deux critiques enchaînées, c'est bien. Efficace le gros, un peu quand même. Ouais, un peu. Et parce que je régénère le point, je l'engage. Ah non! Ah si, oui, c'est ça. Et je l'ai engagé. Du génie. Et j'ai pris deux points. Peur, hein. Parce que je suis glorieux, évidemment. Même le jeu, il reconnaît, il a fait. Non, monsieur, vous êtes métal, je reconnais. J'avoue. J'avoue, monsieur, vous êtes métal. Ouais, j'ai bien envie d'aller jouer Stevie pour aller renforcer. Vas-y. Est-ce que j'irai pas d'abord taper dans le dos d'un porc? Ah ouais, parce qu'en plus. Attends, je pourrais carrément full contrôler ce bord-là. Hein. Genre. Tac. Ah non, putain, il fait pas de multi-coup lui. Ça serait bien que tu finisses quand même à côté. Pour générer un point, mais Bully ce port, il empêchait de bouger, ça me paraît quand même cool. Ah oui, mais il va me faire une charge. C'est bien vu l'aveugle. Vas-y, je vais me mettre là. Est-ce que tu penses que je dépense les... Est-ce que tu penses que quand je pense... ça sert à rien que je fasse ça. Non, ça sert à rien. Voilà. J'ai pris tarif. Parce qu'en fait, je pensais pas. Vu que c'est pas un mouvement, que c'est une compétence, je pense pas que je pouvais l'arrêter. Si, tout mouvement.
ton mouvement? Ouais, ouais. Ok. Maintenant, tu peux aller jouer mon mur, hein, je pense. Étant donné qu'il est inspiré, lui, il y va. Hein. Ouais. Je suis déjà un peu plus proche. Joli. Par contre, je critique tellement jamais avec cette lance. Hein. T'as que 27% de chance de coup critique pour le moment. Hein. Certes, mais c'est une chance sur 4 et c'est pas ce qui sort en fait avec cette lance. C'est ce qui est terrible. Je te conseille d'y aller avec mon mur. À mon beau mur. Bah, vu la. Il a pas l'air de pouvoir y aller, hein, c'est un peu compliqué. C'est... J'arrive. Ça n'a pas du cul, hein. Ah, j'arrive. En fait, les feux sont verts. J'arrive. Ah, bah, en fait, je suis là. Il est pas mal, hein, ce monsieur. Ouais. Putain, comme quoi, quand Zinlan n'utilise pas bêtement et inutilement les points de l'équipe, on a largement de quoi stocker du point. Hein. Disait le lieutenant. Ouais, et le lieutenant, on utilise aussi deux. Deux par deux, hein. Quand il en utilise. Hop, 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 hop. Hop, je fais juste un tour au camp. Comme ça, tant que j'y pense. Je t'envoie les carcasses pour faire du queer. Queer moustache. Queer. Et bon, on peut y aller. Mais on a un attente de Shinai, évidemment. Queer moustache. Non, je suis allé récupérer. C'est vrai que YouTube, on pourrait faire plusieurs épisodes, mais tandis que vous avez réclamé vous-même des épisodes longs. Merci, Wooda, d'ailleurs. Ah, c'est le moment de dépouiller des gens, ça. Tiens, il y a du chanvre là. Il y a du bois aussi. Il y a un piège ici. Okay. Mmh. Ah oui, il y a du bois. Couper du bois comme un homme viril. Us. Tellement viril qu'il arrive à couper le bois de façon horizontale alors qu'il frappe de façon verticale. Wait, what? Il est devenu viril, Stevie. Y a pas d'autres trucs qu'on peut chouer là. Y a pas une menthe. Non, ça a l'air d'être le pays du champ, de toute façon. Le tracker Vosk. The man wearing strange clothes was lurking around the tomb. We tried to manage to escape in the swamp, where the fog is thickest. When we finally gave up the chase, my sister Sununa was missing. Il faut retrouver sa sista. Nous acceptons pour 8 cuirs blancs, ouais. Oui. Le tracker à Aude. Lui, il a juste dit je suis trop badass. Ce que j'ai entendu. Ah! Il est grand temps de faire deux courses. Le pieu d'empalement. Ah. Ça a l'air assez métal, ça. Ça, c'est métal. Le collier de protection, ça, c'est pour les animaux. Bof. Et le ragoût. Ah. En plus, t'as du rat, toi, en ce moment, en train de transformer en cuir. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de plus de cuir, parce que j'en ai déjà 45 de mon côté. Non, ouais. Côté, avec du chou. Moi, je suis chaud pour lui prendre sa recette. Est-ce que t'as besoin de dents? Non, pas du tout. Non, hein, je me propose d'acheter cette recette à 180, puisqu'on a 235 dents. Et le pieu d'empalement, c'est quoi, ça? Alors, c'est un truc hyper métal. Mais de toute façon, je pense qu'on peut la voler. Hein. Y a pas de police dans ce pays-là. Hein. Enfin, si, mais un peu plus loin. Hein. Y est pas tout de suite. On peut tout leur chourer. Bon, c'est des salauds de pauvres, ils ont même pas de dents. Je leur chourre tout, même les anguilles. Non, pas les anguilles, mais au moins le deuxième pare-chaud, quoi. Après, toi, comme tu le sens, hein, moi, si t'es chaud pour qu'on les désosse, pique tout, hein, les anguilles, tout, si tu veux, hein. Mais c'est toi qui vois, hein, c'est toi le patron. Enfin, je dis ça, je viens de quitter le truc. Dans la marmite, on a... Ta-ta-ta-ta-ta-ta, à prendre le ragoût. Donc on a du rat, mais on n'a pas de chou. Ah, on a du rat, mais on n'a pas de chou. Et c'est toi qui dois débloquer le reste. Allô? Tu viens de lire le pieu d'empalement. Quoi? Tu viens de le lire? Ok. Ouais. Oh putain, c'est... Mais en fait, tu récupères, un... tu
Tu récupères un cadavre, tu l'empales sur le truc et ça double l'influence que ça te génère. Quoi. Ouais, je sais, c'est ce que j'avais. J'en avais un, c'était rigolo. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce truc au secours? Non, mais c'est marrant. Maintenant que tu peux transporter plein de choses, c'est très marrant. Est-ce que t'as un monté piton? Ah, oui, tu veux un petit peu de temps? Ah oui, ça nous ferait descendre direct dans le bac du village. Oh, excellent, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Arrête de te casser! Mais putain, il est con, lui. Il me demande un truc, il se tient. Ah, j'avais le... Je l'avais, c'était mon destin. C'était... C'est mon droit d'y croire. Je peux pas zoomer plus, non, je peux pas zoomer plus. Ah, c'est le jeu. Je l'avais, hein. J'ai vu mon destin. J'essaye d'autres formes de destin, mais... Oh, putain. Ah ouais, et puis voilà. Bien sûr avec de la brume. Ouais, je l'avais. Alors, oh, putain, ça va être au pixel. Hein. Oh, ça va être le pixel, ça va être le pixel de... Ça va être le pixel de votre vie. C'est parti, YouTube. Grosse concentration. Oh, oh. On est pas loin, on est pas loin, on est pas loin. Ah, sinon, on peut spam-click aussi. Une autre technique, YouTube, c'est le spamage de cliquage. Oui, bon, mais avec une souris qui voilà. Marche. Comment tu parles? Comment tu parles de ma souris? Alors mal. Alors alors très mal, j'en parle. Comment tu parles de ma bonne grosse souris? La taverne du tonneau qui parle, bonjour. Alors, l'argent, s'il vous plaît. Silence, donne l'argent d'abord. Voilà. On peut consulter ce qu'il y a, à la limite. Est devenu un danger pour Arag. Et dommage, ouais. C'est qu'on peut toujours pas négocier les les primes. Ça, c'est de ta faute, hein. Alors, non. On va bientôt pouvoir. Il faudrait qu'on fasse... Supplie qu'on lui renvoie leur père. Qui est à Luderne depuis des mois. Ah, il y a une petite quête d'aller-retour gentil. Pour l'heure dit, ça serait la fille d'un marchand de Gozenberg supplie qu'on lui renvoie leur père qui est à Luderne depuis des mois. Vas-y. Bon, on peut faire, prendre hein. Les deux fastoches tranquilles, hein, se payer 235 boules. Il y en a une, c'est dans notre zone d'explo. Voilà. Le rat, je pense, ça vaut pas le coup, ça a 260 balles pour l'instant, vu qu'on peut pas le négocier. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a quelque chose à manger là-dedans. Ouh. Terre et mer à la broche. Pas le volet. Lueda. Fondue du trappeur. Vitesse de déplacement dans le monde 10%. Allez hop, c'est dans la poche. Elle vend la fondue du trappeur. Hop, c'est dans la poche. Pas à discuter. Hein. On pense qu'on est d'accord. Oui. On est d'accord. Hop là. Il y a des gens qui parlaient, je crois pas. Un épéiste, ouais. Une brute, et c'est tout. Ah oui, tu veux qu'on reprenne une brute ou pas du coup? Toi qui vois en fait. Bah, on a plus de lutiste, hein. Ouais, donc une brute tank. Ça dépend. Après, bah, est-ce qu'on prend une brute? On prend quelqu'un un autre gars à deux épées ou on reprend un... Alors toi t'as l'air d'être plutôt chaud pour prendre un mec à la hache et le monter en armure lourde. Ah. C'est ça? Oui et non. Oui et non. Mm-hmm. Moi je vois bien un... Ouais non en fait non. Je verrais bien peut-être un troisième lancier en héros qui donnerait... Non en fait non, il y a rien d'autre. Je sais pas. Je sais pas. Moi je voyais une autre brute, pourquoi? Parce que la plupart des armes légendaires que j'ai croisées, bah il y a un arc, il y a deux marteaux, enfin il y a beaucoup de marteaux. Ok. Enfin il y a beaucoup de marteaux, c'est pour ça que vous voyez une brute. Mais vu que t'as joué plus que moi, peut-être que tu vois d'autres armes légendaires qui pourraient être intéressantes. Genre s'il y a deux épées, des machins, mais Il y a une épée, il y a une épée qui est forte. Alors il y a une épée, mais on a déjà un épéiste. Ouais. Prenons une brute. Prenons une brute. Tu veux que je la prenne ou je la prends? Ou tu le prends? Si t'as envie de jouer une brute, tu prends une brute. Voilà. C'est toi qui vois. Juste un truc que je voulais regarder vite fait. Ah, écoute, elle nous coûte 360 billets la fille. Hein. Et oui. Oui, on l'a. On l'a, on a la formation accélérée, donc oui. Elle aura un point de plus que nous. D'accord. Vas-y, prends-la. Bon, on recrute. J'étais en train de penser que oui, on lui achète des trucs, mais madame, figurez-vous que j'ai des tonnes de merde à vous vendre.
Alors des tonnes, tu me connais, j'ai toujours du mal à beaucoup vendre, mais j'ai des trucs quand même. J'ai pas 150 000 trucs, mais bon, j'ai déjà ça. C'est déjà ça qui dégage. J'essaie de retasser un peu l'inventaire. Voilà. C'est pas des tonnes de trucs, mais c'est quelques trucs. Ah oui, t'as vendu du surstock. Ah ouais, non, mais j'ai un stock. Ah, t'en as beaucoup. Ah, bah, okay, quand tu dis que je viens de vendre même pas la moitié. Je viens de vendre même pas la moitié de ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais. Moi, je pense que c'est bon. Ouais, on est à 385. On a de quoi tenir la prochaine paye, je crois. Oui, oui. Et puis, on va aller voir ce qu'on peut sortir à la forge. Forge, yes. Ils ont un alchimiste Non, ils ont une forge. Non, ils n'ont pas d'alchimiste. Bonjour, le maître Dana. Bienvenue dans notre tribu. Parce que la tribu de Dana. On lui achète ou on lui ratisse son fer? Son charbon. Son charbon? Est-ce qu'on en a besoin là pour le coup? Bah je vais en avoir besoin pour forger, parce qu'on en est à un stade où tout nous demande du charbon. Ah, get appropriate. Hop, merci. Ah, les mecs en profitent de faire du crime. C'est bien qu'on ait une région comme ça où tu peux profiter du crime. Ouais. Ah oui, alors attends, l'autre elle est en forgeron. Alors bouge pas, je vais aller. Oui, faudra me faire penser que la fille est en forgeron. Mm-hmm. Ok, alors qu'est-ce qu'on a appris nous comme nouveau truc là? Pas grand chose. Le givre fantôme, on l'a déjà. Le glaive fantôme. Ah oui, je tourne avec un glaive fantôme là? Ah, sur mon boss. Il me fallait une couillette. Bah, comme tout le monde, hein, regarde, oh, putain, sur Sophia. Ouais. Sur Sophia, j'ai une serpe fantôme, hein. Sur Sophia, t'as une serpe fantôme? Ah ouais, on se bat avec les armes que j'ai forgées, ouais. Hache fantôme et tout. Ah ouais, non mais on est en misère, hein. On est en misère. Alors, je pourrais forger une masse fantôme, au passage, puisque du coup, on a une masse à une main dans notre groupe. Vas-y, prends. Et il faut lui forger un bouclier aussi, dans ce cas-là. Oui, bah on va lui sortir ça. Mm-hmm. Au passage, faudra vite récupérer. Et il parle là pendant que je forge là, c'est vraiment ça? Je te déteste. Non, c'est ouais, bon, c'est passé, c'est passé, c'est passé. T'inquiète. Il faudra vite qu'on récupère le plan pour l'étendoir à peau. Au moins okay. Une étoile pour passer les carcasses fantômes, parce que t'en as besoin pour tes plans. Ok. couillette en givracier. Je ne peux en faire qu'une. Bah, vas-y. Je ne peux même pas faire de halbarde parce qu'il en aurait fallu 4 et du tissu de toute façon il n'y a pas de tissu. Et pour faire. Ou alors je pouvais faire un arc en givracier mais il fallait 5 cordes. J'en ai 2. J'en fais encore 2. J'en ai 0. On n'en aurait pas eu assez. Voilà. Donc on part sur une couillette. On part sur une couillette et ça montrait de 13 la dextérité de Sophia. Je sais pas, là c'est plus 29. Ouais. Sachant qu'on a le truc qui augmente les. Par étoile de 10%, donc ouais. Let's go. J'ai tout raté, voilà, impeccable. Ça sera la couillette de merde de base. Vas-y. La serpe fantôme, tu l'as déjà. En combien d'étoiles la serpe fantôme? 3 étoiles. Donc le max, je peux pas faire mieux. Pic fantôme, ça sert à rien. Renfort du cerf qui donne 2 de force et 4 d'armure. Je peux en faire. Est-ce que ça intéresse? Est-ce que ça intéresse pas? J'ai un renfort du barde et un renfort de renard. Faut qu'on chope des nouveaux renforts aussi. Les hachettes de lancer, les conneries, les machins. Ah oui, j'ai pas fait de fossiles de lancer, donc je vais en fabriquer. Comme ça, on prend un peu de connaissances. Bah voilà. Ouais. Donc là d'ailleurs, si on veut débloquer en forge celle du dessus, on peut les faire. Pour te faire des vrais dagues de. Qui ont l'air d'être avec du poison, du machin, on peut. Est-ce que tu veux pas faire ton écu de givracier? Non, parce que pour la fille, hein. Pour la fille, tu parles? Bon, en vrai, je m'en fous. Ah, ouais, moi, non, je lui fais. Elle aura pas le niveau. Je elle fais aura une tâche fantôme. Il est niveau 8. Moi, je lui fais une tâche fantôme, c'est largement suffisant. Hein. Mm-hmm. Voire je lui en fais même pas et je lui file celle que j'ai déjà. C'est pas vital. Ah, on a les vestes fantômes qui sont apparues. Plus 2 de mouvement, 35 d'armure. Ça te parle ça? C'est quoi tes armures actuellement? En termes de. J'ai
J'ai que des armes. Bah, j'ai des armures avec plus 6 de critique. Attends, ouais, mais 3... en bonus d'armure, t'as combien? 56 sur Sophia. Ok, donc c'est de la merde, je suis à la bourse, c'est pour savoir. Parce que les skins ont changé en fait en termes de dégaine. Ouais, 43. C'est pour ça que j'avais un doute. 23, ouais, je pense qu'on peut aller débloquer les petites foussilles, les couteaux, qu'est-ce qu'on en pense? Vas-y. Je te sors ça? Vas-y. Je sors ça des forges. Parce que bon, les cuivres. Déjà, ça sert à rien, l'ogive racieux, j'en ai plus. Les culs. Ah, donc, j'ai de quoi en faire deux. J'ai de quoi en faire deux, pas plus. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a pas de l'alchimie sous la main. Ouais. Qu'on peut rien faire. Alors que les couteaux de lancer fantôme 1, je vais pouvoir débloquer la recette suivante, sûrement avec du givraci ou je sais pas quoi. Et bah on a des besoins dans ces outils-là. Mm-hmm. C'est où? Arme d'ast, dag... Non, les armes de gel. Arc, les machin, main gauche. Voilà. Let's go. On se fait des couteaux. Main gauche. Des haches. Des faucilles, enfin bon, bref, on fait tout. On peut pas le savoir. Allez hop. Non, c'est juste après. Alors je sais plus ce qu'on a plus, mais je crois qu'il y a des trucs qu'on est plus très large. Hein. Qu'est-ce qu'il avait dit le monsieur? Il m'avait dit là-dessus. Ah oui, on a plus de bon char. Ouais, bon, ça c'est anecdotique. Plus de bon char. Plus de bon char, je vais donc te mettre le dernier bon char au blanchissage, qui se rapporte au plumage. Yes. on va aller voir la madame, je vais pas te cacher que je vais lui vendre tout de suite les fossiles de base, parce que j'en ai rien à carrer. On a bien assez de merdier comme ça. Et si ça t'intéresse, on peut faire un petit crochet au camp, là. Ouais, je veux bien. Ok, stage renfort, alors j'étorise tout de suite tout la main, je vais pas me gêner, faucille ou tu veux toi prendre une faucille pour tester sur quelqu'un, parce que moi sinon je le mets à l'âge, c'est très bien. Je sais ce que ça fait la faucille. Oui mais si tu veux tester en termes de performance, ça t'intéresse ou pas du tout? Oui, non? Non, ça m'intéresse pas. Tu pourrais me filer du bois s'il te plaît, si tu as? Ouais. Je te dis ouais mais, ah oui, ouais j'en ai encore un petit peu. Ça va aller, on va survivre. J'améliore l'utrin, d'accord? Let's go. On gagne 20%. On va être short au niveau thune. Voilà. Niveau but, j'en ai short. Ok, donc toi, les faucilles ne t'intéressent pas? Non. Les faucilles, ça fait lancer de faucilles, ça ignore, en ignorant la garde, à 30% de chance d'appliquer un malus aléatoire à la cible. Une chance sur 3. Alors que les haches, 30 à 55% de dégâts de force, appliquent saignement. Je vais garder les haches. Sur critique. Puis... Hein. De quoi? Sur critique? Ouais, ouais, mais je garde les haches sur Taurus. Oui, carrément, ouais. c'est intéressant, on est d'accord. Voici une couillette ratée. Ah, je peux pas la mettre? Ah oui. Je vous mets ça ratée plus 35. Hein. Oui, mais elle est ratée. Elle est ratée, j'ai fait zéro succès dessus. Elle est ratée. C'est pour ça que, à l'occasion, si jamais tu veux que je te les reforge. Alors, t'es au courant. Je vais te mettre ce que ça me met. Hein. Regarde la serpe, regarde la couillette. Hein. Je regarde la serpe. La serpe, c'est 16. Ah oui, ça te change ta vie, ouais. Ouais. Et tu vois, je suis presque prêt à mettre une huile de vivacité nain. Soit l'huile qui augmente de 10% ma dextérité, donc ça ferait plus 7. Ce qui est pas dégueulasse du tout. Ouais, ou alors l'huile infectieuse, elle a une chance sur 2 d'appliquer, quand une compétence met des dégâts, 50% des dégâts de l'attaque supplémentaires. Je te laisse seul juge à bord. Les deux sont intéressants. Je vais tenter l'infectieuse. Et n'oublie pas de récupérer tes couteaux de lancer. Merci. Et je viens de passer à 44% de chance de coup critique de base. C'est pas mal. La couillette m'en donne. Ah, ma vie qui doit monter de niveau. Alors, ma vie, elle doit changer de métier. Ouais. Tu deviens donc barde. Et t'as déjà fait ce niveau. Moi, le précédent avait été monté en... Défenseur. En défenseur. En destructeur.
Eux en destructeur. La question c'est est-ce que tu voudrais la monter par exemple pour appliquer du poison vu que t'es un joueur de type poison. Ouais, mais c'est seulement s'il saigne que tu appliques du poison. Ouais, je sais. Ouais. Et vu que t'as tes archers qui mettent du saignement. Seulement sur critique. Ce dégage et charge en ligne droite, inflige ce dégât à toutes les unités sur le chemin et applique ralentissement pendant un round. Ça reste en armure légère. Je vais prendre une deuxième armure lourde, hein. On va prendre des murs. Hein. Mm-hmm. Dieu le verrait, chaque fois que c'est fini, c'est de s'engager. Ouais, y a pas 50... y a pas 50 builds en réalité, hein. T'es 35%, pas des masses, hein. La protection... contre les unités ayant au moins un malus. Alors, on va partir sur brise armure. Hein. Voilà. Elle est donc niveau 7. Hein. Elle est le plus haut niveau que certains personnages qui sont déjà là. Elle n'a rien en équipement de ceinture. Elle a rien du tout. Équipement de ceinture, t'as peut-être des trucs fabricables j'ai pour des gros. Ouais, j'ai de quoi te faire peut-être une... Armure plus 8, on va l'enlever tout de suite. Et j'aurais dû... il faudrait que j'aille lui faire une armure à la fifi, là. En vrai. Il me faudrait 3 de cuir et 3 matériaux bruts si tu veux que je lui fasse des boucles de rechange. 3 cuir, 3 matériaux bruts. 3 matériaux bruts, 3... C'est moi qui les ai tous ? Oui. Ah mais prends-en. Non, prends-en genre la moitié, je sais pas, je... Je sais que c'est toi qui les fabrique, mais alors... 1, 2, 3, genre je t'en laisse 10 par exemple, je sais pas, au moins tu peux vivre ta vie. Merci. Ok, et donc tiens. Je prends ça, il faut que j'aille lui mettre une armure lourde sur les côtes. Le tissu, ah ouais, j'en ai peut-être besoin pour faire... Non, pas, je crois pas pour faire du lourd justement, je crois que pour du lourd il faut que du bois et du métal. Que du cuir et du métal je crois. Du cuir et du métal, oui, t'as pas besoin de bois. Oui, non, on a pas besoin de bois. Ok. Bah prêt à plier moi en ce qui me concerne pour aller voir là-bas. Ça attends, c'est une armure de quoi type intermédiaire. Mais alors, du coup tu peux porter de l'intermédiaire. Non tu peux porter plus que du lourd. Il y a c'est du rat. Vraiment... Si elle peut porter de l'intermédiaire, mais il y a du rat encore à convertir en viande séchée. Est-ce que tu veux l'enlever ou pas? T'as en un viande plan séchée à faire, je rappelle. Ouais t'as un plan à faire si je me souviens bien. Va dans le séchoir à viande. Récupère le rat. Je crois que t'as un ragoût à faire. Non mais ça sert à rien, je le claque tout le rat parce que dans tous les cas il nous manque des choux et le seul endroit où on peut acheter des choux, bah j'ai envie de te dire c'est de l'autre côté de la map. D'accord. c'est pas tout de suite. C'est là où on utilise aussi les anguilles, donc ah ouais, c'est là où ça a le bonus de Dex, mais ça va pas demain. Okay. Donc pour l'instant je vais vider les carcasses de rats parce que vu les insectes qu'il y a, les merdiers, les machins, je pense qu'on va en récupérer des merdouilles de rats. Okay. On est d'accord, hein, c'est logique. Ouais, alors j'ai fait tout ça mais j'ai oublié de monter. Tu me proposes d'augmenter sa constitution, j'accepte. D'augmenter son mouvement, j'accepte. D'augmenter son crit. Tranche perception. Mais j'accepte. De réaugmenter son crit pour passer à 10%. Bon, j'accepte. 12%. 25 de force. 14%. C'est quand même beaucoup de... Pourquoi tu veux me la monter autant que ça en crit? C'est bizarre ça. Il existe une volonté du jeu de me la monter genre très très fort en crit. Je vois pas trop l'utilité. Ça te parle toi? Pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup. Et je vais même pas faire ça en fait. Je annule. Je vais monter son mouvement. Il a combien l'autre gros là? Je crois qu'il doit être à 14 de move. Non, ça c'est pas l'autre gros. Le gros il est là. Mouvement du gros là. Ton mouvement en base il est à combien? 14 c'est ça. On va peut-être te monter à 14. Ah, tu me diras, il est aussi à 15% de crit. Hein. Les deux ce serait pas mal, mais on va prendre du gros qui se déplace. Ok. Let's go. Let's go faire son armure. Hop.
On va parler à la dame, on va se refaire quelques tunas. Voilà. J'aurais pu aider. Ah, mais bon, c'est pas grave, trop tard. Bah ouais, mais vu qu'on était un peu juste en paye finalement. C'est vrai, c'est bien. Là, on est large pour la prochaine paye. On est large. Je ne peux rien. Pourquoi je peux rien faire? LOL, c'est quoi la blague? LOL? Ah non, il faut des tissus. J'en ai. Tissus, ouais. Il faudrait que je t'en pique deux. Et bon char, mais bon, bah on fera sans bon char. C'est-à-dire que je fais l'armure de base de merde, hein. C'est parti. Hein. Bah vas-y. Ouais, y'a que ça à faire. Hein. C'est déjà mieux que rien. Hein. Elle aura de la garde, elle aura des trucs. Hein. Regarde sur ma partie, j'ai toujours pas fait de. Ah oui, non, elle est même très bien. Elle est même très bien. C'est-à-dire que j'ai pas fait un parfait. Elle a 3 emplacements de renfort. Mais ça, c'est normal. On a pris le trait pour l'avoir. Hein. Pour avoir 3 emplacements de renfort. Ouvre ta voix, tu vas dans Puissance et Gloire. On a pris Art de la Forge, Artisan Défenseur. On a pris que les trucs de forge. Hein. Art de la Forge, les statistiques des armes et des armures sont, forgées sont augmentées de 10%. Ah, Artisan oui. Défenseur, ça nous donne 3 emplacements. Ah oui, et donc vois, même en fait sur nos stuff pourris, ça vaudrait presque même le coup. T'as encore du fer de ton côté ou pas? J'ai que dalle. Que dalle. Ah ouais, on est ruiné. Bah il me reste plus un morceau de fer. J'en ai 6. Allez. Ah, il m'a menti comme ça, Zinedine. J'en ai 6, pardon. Bah ça change tout. Tes 6 changent absolument tout. Je peux au moins faire un renfort du cerf. Pas mal. Mais tu vois, même sur mes armures type Sophia, Zinlen et compagnie, où il n'y a pas d'emplacement, hein, de renfort, ce serait carrément rentable si on avait un renfort qui donne par exemple du critique ou des choses, ce genre mais de choses. Mais on a parce que, mais oui, mais on a, mais depuis le début, on. On peut pas. On n'a pas les moyens. Moi, c'est ça. Parce que moi, j'ai des armures. Tu te dis ça. Parce qu'on les a tous forgés au moins une fois. Niveau... Ouais. Toutes mes armures sont niveau 6 ou moins. Toi, les trucs qui t'intéressent, c'est genre serpent. Bon, bah, ça donne 2 de force, c'est pas ce qui t'intéresse le plus, mais ça donne 2% déjà de crit. Bah toi c'est renfort du barde qui t'intéresse. Mais si renfort du barde en plus. Ah ouais c'est juste que j'ai pas la de base je l'ai jamais sur moi. Mais ça nécessite de la graisse. Ah. Donc je peux te les faire. Oui mais là ça sert à rien parce que j'ai plus de bon char. J'ai plus de cuir, j'ai plus rien. Allez, j'ai plus un cuir, j'ai rien. Allez, là il me reste 3 bouts de fer. Le seul truc que je peux faire c'est un plus 3 d'armure. Et encore j'ai pas de cuir. Je peux même pas le faire. Il reste plus rien. Hey, on est ruined. On était bien, on était blindés. Et en fait, on arrive au premier village, on me fait bande de clodo. Bande de clodo direct. Hein. Hop, bah on va lui remettre donc sa petite armure. Paf, into a renfort. Voilà, elle a son renfort. Elle pourra avoir encore un équipement dit de ceinture. Qu'est-ce qu'on en fait? On la met où? Là, je la vois à poil, perso. Mais Non, elle l'est plus. Mais là, au feu de camp. Au feu de camp, où j'allais la mettre au lit, puisque j'ai mis l'autre tâche au drapal. À la bannière. À la bannière. Est-ce que tu veux qu'on prenne les 50% de connaissances? Oh, jusqu'au prochain repos. Ouais. Ça te parle ou pas? Tu voulais prendre quoi, toi? Le bonus d'XP? Alors ça sert à rien parce que regarde la barre de repos où elle en est, on dépenserait des points pour rien. Pourquoi? C'est bien la barre qui est au mid, on est d'accord, on a même pas fait un quart. Moi je vois qu'il reste un quart. Ah c'est, il reste un quart, d'accord, la partie orange elle se réduit, ok, c'est ça? Oui. Ok. Attends mais tu sais à quel jeu, attends. Non je sais pas à quel jeu je joue, je m'en fous, je regarde jamais ces détails là, jamais. Moi, tu sais, je me contente de faire clic gauche et de râler sur le jeu parce que le pathfinding il marche pas. C'est tout. Ok. C'est tout ce que je fais depuis le début en fait. Et ben. YouTube prend un air étonné. Le prix de vente des objets manufacturés est augmenté de 5%. Non. On a déjà vendu tout ce que t'as créé. On a tout. On a tout. Ah non, tu vois, y a rien d'intéressant à l'heure actuelle. Ok. Même pas la soif de co. Non, parce que c'est à. On aurait fait ça avant que tu déchiffres les. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que dans ton repos, tu vas nous donner un bonus d'XP, de connaissances. Avec ton truc. C'est à chaque repos. Ton truc, c'est jusqu'au prochain repos.
Ah, tu penses que ça fonctionne pas sur les bonus du repos? Ok. Voilà, je pense pas du tout que ça fonctionne. Ok, ok, on va te juger. Eh bien, Vendu. Sortons d'ici, allons voir le chef du village, tu veux voir le chef... Tu veux parler au chef, là? Ou tu veux lui piller sa maison? Moi, j'ai une idée. Il a rien. J'ai crushed Arthez et Tiltrin pour gagner mes dernières legs. Ils ont tout cassé. Hein. Sa vie est triste. Hein. Oula. Is this a joke, mercenaries? He's Edoranian. His ancestors occupied Ludern. On peut pouvoir le convaincre de le garder? Ouais, allez, vas-y. Je sais pas s'il y a d'autres alternatives, donc on peut le laisser. Des bisous. Il est content? Un bandeau de travailleurs. Eh ben voilà! Ça fait quoi? Ça valait toutes les ressources du monde. Gain d'expérience de métier augmenté de 10%. Eh ben ça va partir sur notre barde. J'allais dire sur notre bûcheron, histoire qu'il rattrape un peu tout le monde. Non, parce que bon, du bois, on va en péter, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est vrai. On va en péter pas mal. Et là, il a fait déjà, dis-toi, on a fait une seule bûche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a fait 12 sur 20 XP. Déjà. C'est pas mal. Il en a fait deux. Il a fait deux bûches, ok, il a fait deux bûches. Ouais. Bon. Mais attends, il a quelque chose, Stevie, hein? Il est où Stevie? J'ai oublié déjà. T'es tellement inutile, mec, on t'a déjà oublié. Ah oui, il a rien. Allez, vas-y sur Stevie Young. T'es bientôt niveau 7. Incroyable. Oh, cool. Encore niveau 7, c'est scandaleux. Sirius aussi est bientôt niveau 7. Putain, c'est la honte. Hein. L'autre, elle vient d'arriver, elle est déjà niveau 7. C'est vraiment la bande de cake. Hein. Et je pense que c'est un bon moment pour faire des bisous à ton tube. Eh bah, des bisous ton tube. Au revoir. Bonjour.